I'll scoot through it. No, no. Okay. I want to talk about the hindrances. Okay, je veux maintenant qu'on se parle par rapport aux difficultés, aux empêchements. Hindrances, empêchements. Depends on how you your phrase. When we look at the ministry of the gifts of the Spirit. Quand on regarde au ministère et les dons de l'esprit. And how the Lord wants to use us. Et la manière dont Dieu veut se servir de nous. How we want to release the anointing in our lives. Comment il désire relâcher ses onctions dans nos vies. I believe that there are some hindrances that we need to understand. Okay, donc je pense qu'il y a des obstacles à cela qu'on a besoin de prendre en compte. In Hebrews chapter 9 verse 14. Dans Hébreux chapitre 9 verset 14. We read of the eternal spirit. On parle de l'esprit éternel. Ça parle de l'esprit éternel. We know that God's ways are not our ways. On sait que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. We know one day with us is a thousand with him, on a thousand years. On sait qu'un jour avec chez nous, c'est comme 1000 ans pour lui et inversement. So one of the problems we often have. Donc un des problèmes auxquels on fait souvent face is when we talk of timing. C'est quand on parle de notion de temporalité. Timing. Le temps que cela prend. The Lord can give you a word. Le Seigneur peut te donner une parole. The information. L'information. But you need the anointing to speak. Mais il te faut cette onction pour te permettre ensuite de parler. That word, if we speak, it can be premature. Et si on parle de cette parole sans cela, ça peut être prématuré, ça peut être en avance. I remember one of my sons. Je me souviens d'un de mes fils. Came to me one day with he was struggling. Est venu me voir un jour alors qu'il luttait. It wasn't a bad problem. Ce n'était pas un gros problème. He wanted my advice. Mais il voulait mon conseil. And it would have been easy. Et ça aurait été facile pour moi. For me to tell him what to do. De lui dire quoi faire. I knew what he should do. Je savais en moi ce qu'il avait à faire. I just knew. Mais je savais. But it would have been easy for me just to speak. Et ça aurait été trop facile pour moi juste de parler. But I decided to wait. Mais je me suis décidé d'attendre. And it was 2 weeks later. Et c'était deux semaines plus tard. Something came. He went through something. Il est passé par une situation. And he came back to me. Et il est revenu me voir. And he said, I know what to do. Et il m'a dit, je sais ce qu'il me faut faire. And then I told him. Et ensuite, je lui ai dit. What I had felt from the Lord. Ce que j'avais ressenti de la part du Seigneur. And because he had made a decision. Et comme il est arrivé lui-même à cette décision. He was in the attitude to receive. Il avait la bonne attitude qui lui a permis de recevoir cela. And sometimes when we're dealing with people. Et des fois quand on a affaire à des gens. We feel from the Lord. On peut ressentir de la part du Seigneur. That we need to speak. Que on a besoin de dire quelque chose. But we must be careful when we speak. Mais il faut qu'on fasse attention au moment pour dire la chose. It can be in our marriage. Cela peut être dans notre mariage. I remember when we were moving from Zimbabwe to the UK. Je me souviens quand on a déménagé du Zimbabwe pour aller aux États-Unis en Angleterre, pardon. The Lord put in my heart that we were to go. Le Seigneur avait mis dans mon cœur que il fallait qu'on parte. Now I had to tell my wife. Maintenant, j'avais besoin d'annoncer ça à ma femme. And I was a little nervous. Et j'étais un peu nerveux. She loved the home. Elle aimait bien sa maison. She loved the church. Elle aimait l'église. It was her country. C'était son pays. So I said nothing. Donc je n'ai rien dit. And about 3 months later, et peut-être à peu près 3 mois plus tard, she was in the garden, elle était dans le jardin, she was cutting some flowers, elle coupait ses fleurs, and when she came in, et quand elle est rentrée, she was crying. Elle pleurait. And she said to me, I said to her, donc je lui ai dit, what's wrong? Qu'est-ce qui se passe? And she said, I've just realized, elle m'a dit, je viens de me rendre compte, I will never do this again. Que c'est la dernière fois que je ferai cela. I didn't say anything. Je n'ai rien dit. But the following week, mais la semaine d'ensuite, we met with the team, on a rencontré toute l'équipe. The decision was made for us to go to the UK. Et la décision a été prise pour qu'on aille en Angleterre. And I remember clearly it was the 25th of July. Et je me souviens très bien, c'était le 25 juillet. Because the 26th, parce que le 26, was her birthday. C'était son anniversaire. And I phoned her on the 26th. Donc je l'ai appelé le 26. And I said, I bought your birthday present. Et je lui ai dit, je t'ai acheté ton cadeau d'anniversaire. I was in Dar es Salaam in a conference. J'étais à Dar es Salaam à une conférence. And she said, oh, what is it? Elle m'a dit, ouh, c'est quoi? I said, it's a one-way ticket to the UK. Je lui ai dit, c'est un billet aller simple pour l'Angleterre.
And her response. Et donc sa réponse was oh good. C'était super. She was ready. Elle était prête. So God put the word in my heart. Donc Dieu avait mis la parole dans mon cœur. But and if I had spoken it, mais si j'avais parlé three cela, months before, 3 mois en avance, it would have been tough. Ça aurait été difficile. But God's timing is always the best. Mais le timing de Dieu, le temps de Dieu est toujours le meilleur. And we need to wait. Et on a besoin de d'attendre. God can give you a message for the church. Dieu peut te donner un message pour l'église. But you need to ask yourself, mais tu as besoin de te demander, is it for Sunday, est-ce que c'est là pour dimanche 2022, or is it for Sunday, ou est-ce que c'est dimanche 2024? 2024. I've had messages for different churches, j'ai eu en moi des messages pour d'autres églises, différentes églises, sometimes 2-3 years before. Des fois même 2 ou 3 ans en avance. I make a note of the message. Je note le message. And the title, et le titre, I put question mark. Et je mets point d'interrogation. And then when I'm invited to the church, et alors que je suis invité à partager dans God cette église, reminds me. Dieu, il me rappelle. And I go through, et donc je vais parcourir mes notes. And there it is. Et là, le voici. Le voilà. So we need to understand the timing. Donc on a aussi besoin de comprendre le temps. So even in the church meeting, donc même dans une réunion d'église, there is timing. Il y a aussi une notion de temps. We have a time of praise. Okay, il y a un moment de louange. Time of worship. Un moment d'adoration. Wait for the time. Mais il faut attendre le bon wait, moment. Wait for the anointing. Il faut attendre que l'onction vienne. That will give you the green light. Qui nous donne ce feu vert. That quickening. Qui est cet empressement. To speak. Qui nous permet de parler. And then when you speak. Et ensuite quand tu parles. God speaks. Dieu va parler. And God will have His way. Et Dieu aura ses voies. Timing. Le temps. We also need to be aware of the fear of man. On doit aussi être averti par rapport à la crainte de l'homme. I will talk more about this tomorrow. On va revenir sur ce sujet demain. But the Proverbs 29:25. Le proverbe 29:25. You know, says the fear of man. Ça dit que la crainte de l'homme brings a snare. Emmène un piège. So when you feel you have a word from God. Donc quand on ressent qu'on a une parole de la part de Dieu, you feel that you want to pray for somebody who's sick, et on ressent qu'on veut prier pour quelqu'un qui est malade, or to speak to somebody on the street, ou parler à quelqu'un dans la rue, there's always the fear of man. Il y a toujours cette crainte de l'homme. And it's not a bad thing. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. As long as it is not a snare to you. Tant que cela ne devient pas un piège. We need to cultivate. On a besoin de cultiver that fear. Cette crainte. Not of man, non pas de l'homme, but of the Lord. Mais du Seigneur. I don't want to do anything that is not of God. Je ne veux rien faire qui ne soit pas de Dieu. It's not a fear because I will make a mistake. Et ce n'est pas une crainte parce que je risque de faire une erreur. And God will punish me. Et donc Dieu va me punir. Non. It's a fear. Mais c'est une crainte. That what I will do, que ce que je vais faire, will be in the flesh, soit dans la chair, and not in the spirit, plutôt que dans l'esprit. So it's an attitude. Donc c'est une attitude that I want to cultivate, que to nourish. Que je veux cultiver, que je veux nourrir en moi. To have that dependency upon the Lord. D'avoir cette dépendance au Seigneur. So that what I do, what I do, pour que ce que je fais, is Him. Vient de lui. Even when we preach. Même quand on partage, quand on prêche. You can have the message. On peut avoir le message. You can have all the notes. On peut avoir toutes les notes. And you just bring a message. Et on fait que emmener un message. But we need the anointing. Mais on a besoin de l'onction. We need that affirmation. On a besoin de cette confirmation. That this is the Holy Spirit. Que ça vient du Saint-Esprit. This is what God is saying. Ça vient, c'est ce que Dieu est en train de dire. When you have a preacher, quand on a un prédicateur, who shouts, qui ne fait que crier, and makes a big performance, et fait un grand cirque, it's because he doesn't have the assurance that God is there. C'est parce qu'il lui manque l'assurance de ce Dieu que c'est Dieu qui est en train de parler. God doesn't need me to act. Dieu n'a pas besoin que moi je performe. Sometimes I act. Hein? Des fois oui, c'est vrai que je. But he doesn't need that. Je m'anime, mais il n'a pas besoin de cela. He's looking for the sincerity. Mais il recherche la sincérité. And the trusting in Him. Et cette confiance qui est en lui. Paul says in Ephesians chapter 4. Paul dit dans Éphésiens chapitre 4. To be careful. De faire attention. Not to grieve the Holy Spirit. De ne pas attrister le Saint-Esprit. And we grieve the Holy Spirit. Et on peut attrister le Saint-Esprit. When we are talking things that are not righteous. Quand on parle de choses qui ne sont pas justes. Criticizing. On critique. Judging. On juge. Saying things that are not true. On dit des choses qui ne sont pas vraies.
Hein? You know, sometimes as Christians, vous savez, en tant que chrétien, we say to somebody, on peut dire à quelqu'un, I just want to share something. Je veux juste partager quelque chose. Or let's pray about allons, this. Allons juste prier pour ce sujet. And what we want to do, mais au fait, ce qu'on cherche vraiment is just to talk stuff that doesn't need to be talked. De raconter des choses qui n'ont pas besoin d'être racontées. You know, we can even say in a prayer meeting. On pourrait même dire dans une réunion de prière. Let's pray for this brother. Allons prier pour ce frère. Because he's not well. Parce qu'il ne va this, pas bien. That, il n'est pas bien. Il est ceci. Il est cela. And we use that as an excuse. Et on utilise cela comme une excuse. And we grieve the Holy Spirit. Et cela attriste le Saint-Esprit. There should never be a place. Il ne doit pas y avoir de la place. Where we criticize anybody. Pour la critique contre qui que ce soit. We talk bad about anybody. Où on parle mal de qui que ce soit. We all do that. On le fait tous, hein. But we need the Lord to help us not Mais to. On a besoin de l'aide du Seigneur pour ne pas le faire. So that we don't grieve the Holy Afin Spirit. De ne pas attrister le Saint-Esprit. Hebrews chapter 4 verse 6. Hébreux chapitre 4 verset 6. He talks about keeping this heart clear and open. Il parle de garder ce cœur clair et ouvert. So that we can enter that place of rest. Afin de pouvoir rentrer dans cet endroit de repos. It's amazing that when we allow our heart to be hardened, c'est extraordinaire que dès le moment qu'on permet à ce que nos cœurs s'endurcissent, we've been offended, we've been hurt, quelque chose nous offense ou nous brise, nous blesse, and we don't walk in repentance, et on ne marche plus dans la repentance, that heart gets hard, ce cœur devient dur, and we put ourselves in the place, et nous nous positionnons maintenant à un endroit, where the Holy Spirit doesn't have the freedom dans to un speak. État où le Saint-Esprit n'a plus de liberté pour nous parler. And many times you can feel from somebody et souvent on peut ressentir en quelqu'un that what they're saying is not of the Lord. Que ce qu'ils disent ne vient pas du Seigneur. It's because of the hardness of their heart. D'une dureté de leur cœur. They may even speak scriptures. Peut-être ils parleront même de l'écriture, des écritures. But that scripture's colored. Mais c'est cette tarnished. Écriture, c'est comme si qu'elle est colorée, elle est ternie. Hein? By that attitude of heart. Par cette attitude de cœur. So we need to keep our hearts clean and well. On a besoin de garder nos cœurs purs et clairs et bien. We need to have motivation that is pure. On doit avoir une bonne motivation, une motivation pure. To have an attitude. D'avoir cette attitude. In any situation. Dans chaque situation. That what God wants to do. Que ce que Dieu veut faire. We want to be willing. On veut être bien disposé. We want to be open. On veut être ouvert. For the Lord to have His way. Pour que le Seigneur puisse avoir ses voies. We're just the vessel. Nous sommes que le vase. But we need to keep that vessel open. Mais on a besoin de garder ce vase, cet instrument for ouvert. For the presence and the power of the Holy Spirit. Et la puissance du Saint-Esprit. Just to flow. Puisse couler au travers de cela. Let the Lord be glorified. Afin que le Seigneur soit glorifié. Are you still with me? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Paul says in 1 Thessalonians 5. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5. Do not quench the spirit. N'étouffez pas l'esprit. Do not despise prophecy. Ne méprisez pas les prophéties. Sometimes when you hear some prophetic word, des fois quand on entend une parole prophétique, you can say that's not for me. On peut dire ça c'est pas pour moi. I don't agree with it. Je suis pas totalement d'accord avec ça. I don't think it was right. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose. I didn't like the attitude. J'aime pas l'attitude. But if it's not unbiblical. Mais si cela n'est pas scripturaire. And the content was right. Et le contenu est bon. Put that on the shelf. Mettez cela sur étagère. And just say to the Lord. Et dites au Seigneur. If this is your word. Si cela est ta parole. You bring it to pass. Tu emmèneras cela à s'accomplir. Don't despise. Mais ne méprisons pas. Don't despise. Ne méprisons pas. I remember very clearly. Je me souviens très bien. Prophesying over a couple, a young couple. Je prophétisais sur un jeune couple. And the word of the Lord was very accurate. Et la parole de Dieu était très 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 ciblée. And they were young married couple. Et c'était un jeune couple marié. And there was the Lord brought specifics. Et le Seigneur a amené des choses très très spécifiques, précises. And it was in a meeting. Et c'était dans une réunion. And the couple were embarrassed. Et le couple était embarrassé. What I said was not bad. Ce que je leur ai dit n'était pas mauvais. But it exposed certain attitudes. Mais ça a exposé certaines attitudes. And it came as a warning to them. Et cela est venu comme un avertissement. The wife was not happy with me. La femme n'était pas contente avec moi. She came. Elle était remontée, elle est venue. And she told me exactly what she thought. Elle m'a dit exactement ce qu'elle pensait. And the Lord had warned them. Et le Seigneur leur a averti. That there were these attitudes. Qu'il y avait des avertissements, des attitudes. That they were hiding. Qu'ils cachaient.
And nobody saw the attitude. Et personne n'arrivait à voir ces attitudes. But when they were together, mais quand ils étaient ensemble, the attitude was there. L'attitude se levait. When there were people around, alors qu'il y avait des gens autour, they were hiding. Tout se cachait à nouveau. And the Lord wanted to expose. Et le Seigneur voulait exposer cela. To set them free. Afin de les en libérer. If they didn't, if they were not willing, mais s'ils n'étaient pas disposés, it would bring disaster. Cela allait emmener un désastre plus loin devant. But she was so angry with mais me. Elle était tellement en colère contre moi. I remember, must have been 12 years later. Je me souviens, il y a 12 ans à peu près après. I was in a church in another country. J'étais dans une église dans un autre pays. And she was visiting. Elle était de passage. And she came. Elle est venue. I said, "It's wonderful to see you." Je lui ai dit, c'est super de te voir. Where's your husband? Où est ton mari? She said, "We're divorced." Elle m'a dit, ah, on est divorcé. I said, "Why?" Je lui ai dit, mais pourquoi? She said, "Because of what you said." À cause de ce que tu nous as dit. I said, because of what I said. J'ai dit à cause de ce que moi j'ai dit. Because of what you said. Parce que à cause de ce que tu as dit. You said we will be divorced. Tu as dit qu'on sera divorcé. And I said, no, 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 no. Je lui ai dit non, 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 non. God spoke. Ça c'est déjà c'était le that Seigneur unless qui a you parlé. Were willing to put things clear, il a dit que à moins que vous soyez disposé à clarifier, à mettre les choses claires, qu'il y aura un désastre au devant. And I know many people who heard that. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu ça. But she heard. Mais elle avait entendu what she wanted ce qu'elle voulait entendre. She despised the word. Elle a méprisé la parole. And it destroyed the marriage et and the family. Ça a détruit le mariage et la famille. So we need to be careful. Donc on a besoin de faire attention. We need to have an attitude towards people, et d'avoir une attitude envers les gens, towards the ministry, envers le the ministère, gifts of the Spirit, les dons de l'esprit, where there's respect, où il y a un respect, because it's God. Parce que c'est Dieu. And if it's not God, et si ce n'est pas Dieu, nothing will happen. Rien ne va se passer. But if it's God, mais si c'est Dieu, it will happen. Ça va se passer. We need to be willing to obey. On a besoin d'être prêt à obéir. Acte 16, verse 6. Acte 16, verset 6. The Holy Spirit came to Paul in the night. Le Saint-Esprit est venu à Paul la nuit. They were traveling. Ils étaient en voyage. And the Bible says he was forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Et la parole nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a empêché Paul ou l'a interdit, en d'autres mots, de prêcher en Asie. If we disobey the Lord the first time, si on désobéit au Seigneur la première fois, there may not be a second time. Il se peut qu'il n'y aura pas une deuxième fois. Very often, très souvent, we say, Lord, give me a word. On dit Seigneur, donne-moi une parole. And people get discouraged. Et les gens se découragent. Because they have not received the word. Parce qu'ils n'ont pas reçu une parole. And the reason why they have not received the word. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas reçu cette parole. Is because God spoke before. C'est parce que Dieu a parlé avant. But they weren't listening. Mais ils n'écoutaient pas. Didn't want to obey. Ou ils ne voulaient pas obéir. And one thing we know. Et une chose qu'on sait. God has plan A. C'est que Dieu a un plan A. He does not do plan B. Et il ne fait pas les plans B. Or plan C. Ni les plans C. When he says this is the way, quand il dit c'est ça la voie, he doesn't say or that. Il ne dit pas ou par ici. If that doesn't suit, si ça t'arrange pas, you can go that way. Ah, tu peux aussi aller par là. No. Non. He says this is the way. Il dit c'est ça le chemin, c'est ça and la voie. And he's not going to change his mind. Et il ne risque pas de changer d'avis. He's not going to have another idea. Il risque pas d'avoir une autre idée. Because of our stubbornness. À cause de notre entêtement. Because we're not willing. Ah, parce que nous ne sommes pas bien to disposés. What God is nous ne sommes saying. Pas disposés à obéir ce que Dieu nous dit. Donc tu viens et tu dis, je veux être utilisé dans les dons. I've prayed, j'ai demandé, j'ai prié. But nothing seems to happen. Mais rien n'a l'air de se passer. God doesn't speak. Dieu ne parle pas. God doesn't move in my life. Dieu ne bouge pas dans ma vie. Or maybe he did. Ou peut-être il le faisait. But you were stubborn. Mais tu étais têtu. Afraid. Ou tu avais peur. Fear of man. Tu avais la crainte de l'homme. Whatever the excuse. Peu importe l'excuse. It's always good to come to him. C'est toujours bon de venir à lui. To say, Lord, please forgive dire, me. Seigneur, pardonne-moi. I've done that many times. Moi, je l'ai fait beaucoup de fois. Sometimes I go home. Des fois, je rentre chez moi. Because in the meeting, parce que dans la réunion, the Lord put something clear in my heart. Le Seigneur a mis quelque chose de clair dans mon cœur. Clear, clear. Clair, très clair. I mean, I've been in the ministry 40 years. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans que je suis dans le ministère. Clear. Clair. I know when it's from the Lord. Je sais que cela vient du Seigneur. But I was tired. Mais j'étais fatigué. Our brother Jean-Charles is there. Jean-Charles était là. He can, you know. Lui, il peut faire les choses. And then I miss something. Et je passe à côté de quelque chose. I go home. Et je rentre chez moi.
Because I know I've missed. Parce que je sais que j'ai raté, je sais que je suis passé à côté. Sometimes I will go to the brother preaching. Des fois, je vais voir le frère qui partage. I say, forgive me. Et je lui dis, frère, excuse-moi, pardonne-moi. I had a word from the Lord. J'avais une parole du Seigneur. I missed. Et je suis passé à côté. You know why? Vous savez pourquoi? You know why? Vous savez pourquoi? Because I don't want to miss again. Parce que je ne veux pas rater ça à nouveau. And repentance. Et la repentance. Clears the air. Ça dégage l'atmosphère. Clears the air. Ça dégage l'atmosphère. And maybe I do prophesy. Et peut-être je prophétise. And it's at the wrong time. Et c'est peut-être pas le bon moment. I repent. Ben je me repens. Clears the air. Et cela, ça dégage l'atmosphère. I was just talking to Brother Mark. Je parlais avec le frère Mark. I went to a church. J'ai été dans une église. And I was praying for people. Et je priais pour des gens. And there was a lady in the church. Il y avait une dame dans l'église. She came and she started to pray with me. Elle est venue et elle a commencé à prier avec moi. I didn't know her. Je la connaissais pas. So when I looked at her, donc quand je l'ai regardée, the Lord put something in my heart. Le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur. So I said to her, et donc je lui ai dit, please can you sit down? S'il te plaît, assieds-toi. She said no. Donc elle m'a dit non. I'm leading the intercession ministry. C'est moi qui dirige le ministère de l'intercession ici. I'm here to support you. Et je suis ici pour te soutenir. I said no. Donc je lui ai dit non. You are living in adultery. Tu vis dans l'adultère. So please go donc, sit down. S'il te plaît, va t'asseoir. She was not happy. Ah, elle n'était pas contente. Hein. Finished. J'ai terminé. The pastor was away. Le pasteur était en voyage. He came back from his holiday. Il est revenu de ses vacances. Guess who was waiting for him? Devinez qui c'est qui l'attendait. Oh, that woman. Cette femme. And she was angry. Et elle était en colère. I was back home in moi, another country. J'étais déjà rentré chez moi dans un autre pays. The pastor phoned me. Le pasteur m'appelle. Ooh, he was angry. Ah, lui, il était en colère. She was an important woman. C'était une dame importante. And her husband had lots of money. Et son mari avait beaucoup d'argent. Now they were going to leave the church. Maintenant ils allaient quitter l'église. He was angry. Il était insensé. And he said, "You will never come back to the church." Et il m'a dit, tu ne reviendras jamais and à l'église. And I will put you on the blacklist. Et je vais te mettre sur la liste and noire. And you will never come back in the country. Et tu ne rentreras plus jamais dans ce ever pays. Ever again. Jamais de ta vie. So I said to him. Donc je lui ai dit, listen. Mon frère, I can make a mistake. Écoute, ça peut m'arriver de me tromper. I don't think I've made a mistake. Je ne crois pas que je me suis trompé, but I can make a mistake. Mais ça peut arriver. Give me one month. Donne-moi un mois. Please. S'il te plaît. If nothing, si rien ne se manifeste, I will come at my own expense. Je viendrai la prochaine fois à mes propres frais. I will come on my hands and knees. Je viendrai à quatre pattes. And I will repent. Et je vais me repentir. Two, three weeks later, deux ou trois semaines plus tard, he phoned me. Il m'appelle. You don't have to come. Tu n'as pas besoin de revenir. Ching. Why? Pourquoi? Because he found the truth. Parce qu'il a découvert la vérité. And it destroyed the church. Et cela a détruit l'église. It broke the church. Ça a brisé l'église. And broke him. Et lui, ça l'avait brisé. Ça l'a brisé. Because it exposed many things. Parce que ça a exposé beaucoup de choses. We need to be ready to repent. On doit être prêt à nous repentir. I have gone to a couple in the church. Ça m'est arrivé d'aller voir un couple dans l'église. I did not know them. Je les connaissais pas. I thought they were husband and wife. Je croyais qu'ils étaient mari et femme. But they were brother and sister. Mais ils étaient frères et sœurs. I made a mistake. J'ai fait une erreur. I repent. Je me suis repenti. I've prophesied over people. J'ai prophétisé sur des gens. They've been angry with what I prophesied. Ils étaient en colère avec ce que je leur ai dit. I was thrown out of a church. On m'a jeté d'une église une fois. In one of the countries. Dans un de ces pays. The Lord showed me five things. Le Seigneur m'a montré cinq choses. And the five things I spoke. Et les cinq choses que j'ai dit. The pastor said, "You're wrong. You're wrong. You're wrong. Dit, you're wrong. You're wrong. There's tort, the tu door. Tu as tort. Tu as tort. Tu as tort. Voici la porte." And he threw me out. Et il m'a jeté. Il m'a éjecté. He had 30 people in the church. Il avait 30 personnes dans l'église. I spoke about his ministry. J'ai parlé de son ministère. I spoke about the brother who would divide the church. J'ai parlé au sujet du frère qui allait diviser l'église. I spoke about where he would be given land. J'ai parlé au sujet de là où ils allaient recevoir un terrain. I described the trees and the river. J'ai décrit les arbres et la rivière. And I described that he would have a ministry in the nation. Et j'ai décrit son ministère qu'il allait avoir dans cette nation. There's the door. Voilà la porte. 20 years later, 20 ans plus tard, we want to have a CTMI conference. On veut avoir une conférence CTMI. We go back in that country. On repart dans ce pays. And I went to go and see him. Donc je suis reparti le visiter. The secretary said he's too busy. Son assistante lui m'a dit non, il est trop so occupé. I just wrote my name and donc j'ai juste number. Laissé mon nom et mon numéro et je l'ai laissé là et je lui ai dit au secrétaire de get in the car, drive away. Je vais dans la voiture et je pars.
She phones me back. Il me rappelle. She says, the bishop says you must come now. Elle me dit, l'évêque dit qu'il faut que tu reviennes tout de suite. I come. Donc je reviens. I walk into the church. Je rentre dans son église. He looks at me. Il me regarde. He gets on his knees. Il se met à genoux. And he says, I've waited 20 years for this. Et il me dit, j'ai attendu 20 ans pour cela. Please forgive me. S'il te plaît, pardonne-moi. Five things. Cinq choses. Everything. Chacun de ces choses-là, chacun. Has come to pass. C'est arrivé. Est arrivé. The church. L'église. Is in a desert. Est dans un désert. But the Lord showed me it was going to be built next to a river with green trees. Mais le Seigneur m'avait montré qu'elle allait être construite à côté d'une rivière avec des arbres verts. And he's the only man in the whole country that is next to a river with green trees. Et c'est le seul homme dans tout le pays qui a une église à côté d'une rivière avec des arbres verts. I'm not saying this to boast. Je suis pas là pour, je dis pas ça pour me vanter. What I've learned. Mais ce que j'ai appris. Is that more we desire to be used. C'est que le plus qu'on désire être utilisé. Sometimes we make mistakes. Des fois, oui, on fait des erreurs. But we keep our hearts pure. Mais on doit garder nos cœurs purs. We can be rebuked. On peut être repris. We can be corrected. On peut être corrigé. Because we want to. Parce continue. Qu'on veut continuer. Amen. When I first came to the Lord in the Pentecostal church, quand je suis venu au Seigneur au tout début dans l'église pentecôtiste, we had time of praise and worship. On avait des moments de louange et adoration. And then we would wait on the Lord. Et ensuite on s'attendait au Seigneur. We gave opportunity. On donnait le temps, on donnait l'occasion. For the gifts of the Spirit. Pour que la manifestation des dons de l'esprit. But somehow today, mais quelque part aujourd'hui, the praise and worship is like la louange et l'adoration, c'est a comme train. C'est comme un train. Hein? Not a train in Africa. Pas un train en Afrique. But a train in Germany. Mais un train en Allemagne. I discovered in Germany. J'ai découvert en Allemagne. They've got the ICE. Ils ont ce qu'ils appellent le ICE. The Intercontinent Express or Intercity Express. Intercity Express. Le train express entre villes. And you stand on the platform. Et tu te tiens sur la plateforme. And your sign says. Et le panneau dit. The number of your train. Le numéro du train. The time it arrives. L'heure à laquelle elle arrive. And the time it leaves. Et l'heure à laquelle elle part. And you look at that. Et on regarde cela. The time of arrival. L'heure d'arrivée. And the time of it leaves. Et l'heure de départ. Is the same time. C'est la même heure. But you remember, mais on se souvient, you are in Germany. On est en Allemagne. So the train comes. Donc le train arrive. The doors open. Les portes s'ouvrent. And that train, et ce train, it travels at nearly 300 kilometers an hour. Ça fait presque 300 km à l'heure. Alors. So you need to be ready. Donc il faut que tu te tiennes bien prêt. So when the train comes, donc quand le train arrive, you jump. Tu sautes. And if you've got a big suitcase, et si tu as une grosse valise, you push suitcase and jump. Tu avances la valise et tu sautes après. Because parce que ouais. Yeah. But in Africa, mais en Afrique. Non, non, non. In Africa, en Afrique, you take your basket. Tu prends ton panier. With your food, avec ta nourriture, and you take a blanket, tu prends ton plaid, because when you get to the platform, parce que quand tu arrives à la plateforme, there's no sign, y a pas de panneau, and you make your fire, et tu prépares ton feu, you cook your food, tu peux cuisiner, then you sleep, et puis tu peux même dormir là, it can be one day, ça peut prendre un jour, two days, deux jours, and then, et par la suite, toup, toup. Then the train comes. Ah, c'est là que le train arrive. But you don't worry. Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Non. You can make another fire. Tu as le temps de faire encore un feu. You can cook more food. Encore cuisiner un autre plat. And when you have another sleep, et une fois que tu as dormi à nouveau, you can walk on the train. Tu peux tranquillement border le train. You take your time. Tu peux prendre ton temps. Because you have to put your goats. Parce qu'il faut mettre les cabris, les chèvres, les moutons, your wife, les femmes, children, les enfants, suitcases, les valises. And finally, et à la fin, tout, 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 I prefer the African train. Moi, je préfère les trains africains. And sometimes the praise and worship
Et des fois, la louange et l'adoration dans l'église, is the ICE. C'est comme le ICE, le train allemand. Let's stand. On se met debout. Let's sit. On s'assoit. We preach. On prêche. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé là? What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Sometimes it's like a race. Des fois, c'est presque comme une course. To see how fast we can sing. De voir à quelle vitesse on arrive à chanter. No. But the African way. Mais la manière africaine. We worship. On loue. We give time. On donne le temps. For the Lord to speak. Pour que le Seigneur puisse parler. So we used to wait on the Lord. Donc à cette époque-là, on s'attendait au Seigneur. Not just in the meeting. Non pas seulement dans les réunions. But it's an attitude. Mais c'est une attitude. When you are praying for somebody. Quand on prie pour quelqu'un. Wait. Attends. Patiente. When you have to speak to your children about a situation. Parler à tes enfants par rapport à une situation précise. Wait. Patiente. If you don't have the answer. Si tu n'as pas la réponse. You don't have the answer. Tu n'as pas la réponse. Tell your children. Dis à tes enfants. Tell your wife. Dis à ta femme. I'm not sure. Je sais pas encore. And my wife. Ma femme. You must be sure. Mais tu dois savoir. But I'm not sure. Mais je sais pas encore. We need to know. On a besoin de savoir. But we don't know. Mais on ne sait pas. We need to wait. Donc on a besoin d'attendre. Let the Lord speak. Et laissez le Seigneur parler. It's too easy to speak from the natural. C'est trop facile de parler de notre naturel. But God has given us the Spirit. Mais Dieu nous a donné son Esprit. To give His wisdom. Afin de nous donner cette sagesse. Oh, hallelujah. We need to be open. On doit être ouvert. 1 Corinthians 2 verse 9. 1 Corinthiens 2 verset 9. Eye has not seen. L'œil n'a point vu. Ear has not heard. Oreille n'a point entendu. What God has prepared. Ce que Dieu a préparé. For the heart of the man. Pour le cœur de l'homme. Non, ni est entré dans le cœur de l'homme. But God has revealed it to us by His Spirit. Les choses que Dieu a préparées, mais Dieu lui-même a révélé cela à travers de son esprit, au travers de son esprit. God knows what to do. Dieu sait quoi faire. He knows what we should say. Il sait ce que nous devrions dire. James chapter 3. Dans Jacques chapitre 3, he says in verse 14, il part dans le verset 14, that his wisdom comes from above, que la sagesse qui vient de Dieu vient d'en haut, is not earthly, sensual, elle devilish, n'est pas terrestre, sensuelle, démoniaque, diabolique. Hmm? But when his wisdom comes, mais quand sa sagesse, he says vient, it comes from above, it's pure. Il dit que ça vient d'en haut et c'est pur. It brings peace. Ça amène la paix. It's gentle. C'est paisible. It's easy to be entreated. C'est facile à aborder. Full of mercy and good fruits. Rempli de miséricorde et de bons fruits. Without partiality. Sans favoritisme. Hein? Without hypocrisy. Sans hypocrisie. When God speaks. Quand Dieu parle. God will have His way. Dieu aura ses voies, il aura son plan. I want that in my life. Et je désire cela dans ma vie. I want that in our family. Je veux cela dans nos familles. In the church. Dans l'église. In our relationships with one another. Les uns avec les autres. When you are talking, quand planning, on parle, quand on planifie, we can discuss. On peut parler, on peut échanger. What you feel. Ce que tu ressens. What you feel. Ce que toi tu ressens. What you feel. Ce que toi tu ressens. We can put all our feelings on the table. On peut mettre tout ce qu'on ressent sur la table. It's good. C'est bien. Then we come before the Lord. Et puis on vient devant le we Seigneur. Say, Lord, et on dit Seigneur. What do you say? Qu'est-ce que toi tu dis? Que dis-tu? We need your wisdom. Nous avons besoin de ta sagesse. We need your knowledge. Nous avons besoin de ta connaissance, de ton discernement. We need that word. Nous avons besoin de cette parole. Maybe somebody will prophesy. Peut-être que quelqu'un va prophétiser. Then we put that before the Lord. Et on mettra ça devant le Seigneur. We say, Lord, you've spoken. On dit, Seigneur, tu as parlé. But now bring it to pass. Et maintenant, emmène cela à s'accomplir. You have told me. Tu m'as dit. You watch over your word to perform it. Tu veilles sur ta parole afin qu'elle accomplisse. We are not here to make the word of God happen. Nous ne sommes pas là, nous, pour faire en sorte que la parole de Dieu s'accomplisse. You have spoken. C'est toi qui as parlé. Now bring peace. Maintenant, c'est à toi, Seigneur, d'emmener bring cette things clear. D'emmener cette clarté. And God can do amazing things. Et Dieu peut faire des choses extraordinaires. I have a friend, a pastor in Mexico. J'ai un ami qui est pasteur au Mexique. And the Lord spoke to him about moving from California. Le Seigneur lui a parlé à propos de déménager de la Californie. To Mexico City. À la ville de Mexique, Mexico City. Right on the edge. Qui est juste sur la frontière. In a very poor area. Un endroit très pauvre.
And the Lord spoke to him. Et le Seigneur lui a parlé. Hein. And he was frightened for his life. Et il avait peur pour sa vie. Because it was a dangerous area. Parce que c'est un endroit très dangereux. But the Lord put a word in his heart. Mais le Seigneur a mis une parole dans son cœur. And the Lord said to him, et le Seigneur lui a dit, I will go before you. J'irai au devant de toi. And the Lord confirmed that word to his wife. Et le Seigneur a confirmé cette parole chez sa femme. They went. Ils sont partis. They found a small hall. Ils ont trouvé une petite salle. And he was sitting and getting everything up. Et alors qu'il préparait tout. Got the pulpit. Ils avaient le pupitre. Got the offering basket. Ils avaient le panier de l'offrande. And the Lord spoke to him. Le Seigneur lui a parlé. And said, put the offering basket at the back. Et le Seigneur lui a dit, prends le panier d'offrande et tu le mets à l'arrière. And from today. Et de aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. You never take an offering. Tu ne prends jamais une offrande. You tell the people. Tu dis au peuple. They can put the money in. Ils peuvent mettre l'argent s'ils veulent. If they have needs, s'ils en ont des besoins, they can take the money out. Ils peuvent même ressortir de l'argent. He said, Lord, Seigneur, Lord, Seigneur, we are in a poor area. On est dans un endroit pauvre. There are many thieves. Il y a beaucoup de voleurs. But there was no plan B. Mais il n'y avait pas de plan B. And he struggled financially. Et l'homme a lutté financièrement. And then his wife said, "What are we doing wrong?" Et à un moment, sa femme lui dit, "Mais qu'est-ce qu'on fait de mal?" He said, "Well, I want to tell the truth." Et mais il dit, "Je veux dire la vérité." This is what God told me to do. C'est ce que Dieu m'a dit de faire. But I've been afraid. Mais j'ai eu peur. So they prayed. Donc ils ont prié. They put the basket at the back. Ils ont mis le panier à l'arrière. Since that time. Et à partir de ce moment. That's nearly 20 years ça ago. Ça fait maintenant 20 ans. They built a bigger church. Ils ont construit une grande église. And a bigger church. Et encore une église plus grande. And they still don't take offering. Et ils prennent toujours pas de l'offrande. And they still have a box at the back. Ils ont toujours une boîte à l'arrière. You can put the money in. Et tu peux mettre de l'argent. Or you can take it out. Tu peux le retirer aussi. But he said to me. Mais il m'a dit. It's never been empty. Ça n'a jamais été vide. We serve a miracle working God. On sert un Dieu de miracles. We serve a miracle working God. On sert un Dieu de miracles. And you may have difficulty in your marriage. Et vous avez peut-être des difficultés dans votre mariage. You may have confusion in the family. Vous avez peut-être de la confusion au niveau de la famille. You don't know what to do with your own life, your future. Vous savez pas quoi faire avec votre vie, avec votre futur. I want to encourage you. Je vous encourage. To seek the Lord. De chercher le Seigneur. To find His word. De trouver sa parole. And to allow the Holy Spirit. Et de permettre au Saint-Esprit. To lead you, direct you. De te guider, de te conduire et de te diriger. He will not fail. Il ne faillira jamais. And we give him the glory. Et on lui donne toute la gloire. Amen. Amen. Father, we bless you Père, today. Nous bénissons ton nom aujourd'hui. We're so grateful. Nous sommes tellement reconnaissants. For your word. Pour ta parole. For your presence. Pour ta présence. And for what you have for our lives. Et pour ce que tu as pour nos vies. Now, Lord, we thank you. Seigneur, maintenant nous te remercions. That you will bless the food we're about to eat. Que tu bénisses les aliments que nous allons prendre. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Now we are going to come back. Maintenant, on va se retrouver tomorrow. Demain.